Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le 100, ou la centaine en français. Cet exercice est un exercice abdominaux typique de la méthode Pilates, portant l'accent essentiellement sur les muscles profonds, les muscles du centre, les muscles abdominaux. Donc, le nom de cet exercice est dérivé du schéma respiratoire, c'est-à-dire qu'on va faire des petits battements dynamiques avec les bras. On va faire 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. 10 mouvements par mouvement respiratoire, enfin 10 battements par mouvement respiratoire, et on va faire 10 fois, 10 fois 10, 100, d'où la centaine. L'objectif de ce mouvement, de cet exercice, est de renforcer les abdominaux, donc les muscles du centre, les muscles profonds. Ensuite, de développer la stabilisation du corps. On va faire des petits battements dynamiques qui vont créer de l'instabilité, stimuler la circulation et chauffer le corps. Apprendre également à respirer et à coordonner effort et respiration. On va passer directement au mouvement. On va commencer par s'allonger tranquillement sur le dos. Si vous avez une petite tension au niveau du cou cervical, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sur votre tête. Donc là, mes genoux sont fléchis, les pieds écartés à peu près largeur du bassin, les bras le long du buste. On laisse la colonne vertébrale s'imprimer contre le tapis. On place le bassin en position neutre. Aucune pression sur votre bassin, comme si votre bassin flottait dans l'espace. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril en engageant les transverses, et on va rentrer ses côtes en engageant ses obliques. On efface le petit creux dorso-lombaire. On glisse tout doucement les omoplates sur les poches du pantalon en tirant les doigts vers les orteils. Essayez de vraiment relâcher au maximum le cou et les épaules. Deux options. Tous les mouvements qu'on fait au sol, notamment les mouvements abdominaux, n'hésitez pas soit à décoller tête et épaules si vous pouvez, d'accord, pour activer un peu plus les abdominaux. Si jamais ça tire un petit peu trop, je garde ma tête posée sur le tapis, je ne force pas. Donc là, je vais vous montrer l'option avec la tête et épaules décollées. On va inspirer. Sur l'expiration, on fait un petit relevé de buste. Il ne s'agit pas de monter trop non plus. Important de ne pas trop rentrer le menton sur la poitrine, sinon vous stressez vos cervicales. L'idée, c'est d'imaginer une petite balle sur le menton qui empêche le menton de rentrer. On regarde un petit peu son nombril. Les bras sont tendus, les coudes sont tendus. D'accord ? Donc bien activer les triceps pour tendre vos coudes. Et les doigts sont tendus, serrés. Donc pas trop bas, pas trop non plus, mais à peu près entre les deux, une dizaine, quinzaine de centimètres du sol. On va faire des tout petits battements. Les battements partent bien de mes épaules. Comme si on avait les mains sur un trampoline, on faisait rebondir les mains sur le trampoline. Donc là, je vais faire 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Donc j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. Vous pouvez faire une longue inspiration, une longue expiration, ou éventuellement faire une inspiration, une expiration percutante. Donc j'inspire. Un peu plus difficile. Donc après, vous choisissez. L'idéal, c'est de prendre quand même l'inspiration plus tranquille. Et j'expire. Plus facile. Donc ça, c'est la base, d'accord. Après, vous pouvez augmenter donc la difficulté. On prend option numéro 2. Je ramène une jambe en chaise renversée. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Donc mon genou au-dessus de ma hanche, d'accord, le tibia apparaît au sol, pied pointé, position de chaise renversée. Ensuite, la même chose de l'autre côté, 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Option plus difficile, vous mettez les deux jambes en chaise renversée, donc toujours bien plaquer vos lombaires contre le tapis. Si vous sentez que ça commence à creuser ici, c'est que c'est trop difficile pour vous. Donc les abdos ne sont pas assez forts pour venir imprimer les lombaires contre le tapis. Donc on repasse sur l'option numéro 1, d'accord. Donc ça, c'est l'option numéro 2. Ensuite, option numéro 3 plus difficile, vous allez pouvoir allonger une jambe, d'accord, comme ceci. Donc le tibia, l'idéal, c'est que la jambe dans le prolongement du pied, à peu près. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Ensuite, vous changez. Petit battement, toujours une jambe en chaise renversée, l'autre allongée. Donc cherchez l'allongement de votre jambe jusqu'au bout des orteils. Si elle tire trop sur le cou, je repose ma tête et mes épaules. Une autre option également, c'est de placer une main à la tête, faire les petits battements, d'accord. Et puis après, changer de côté. 5 battements, 5 battements. Après, on peut faire les deux jambes tendues, d'accord, largeur du bassin. Après, je peux presser mes jambes pour travailler plus l'intérieur des cuisses. Et après, je peux prendre la Pilates position, rotation externe des hanches pour bien travailler mes fessiers et en plus les muscles adducteurs. Après, plus je vais avoir un centre fort, plus je vais pouvoir descendre mes jambes. Si jamais ça creuse au niveau lombaire, c'est que je suis descendu trop bas, c'est un peu plus compliqué, un peu trop difficile pour moi. Donc, je remonte. N'hésitez pas à monter les jambes à la verticale. Plus facile comme ceci. Et là, forcément, plus difficile comme ceci. Aucun mouvement au niveau du ventre. Petit battement, 5 battements, 5 battements. Ce que vous pouvez faire également au départ,
c'est de placer une balle de tennis sur votre ventre, d'accord? Même avec un pied puis l'autre sol, juste la balle de tennis, hein, pour voir si votre centre est bien engagé et que le ventre ne gonfle pas. Si vous gonflez, c'est qu'il n'y a pas assez, c'est pas assez engagé au niveau des transverses et la balle va tomber, d'accord? On le fait encore une dernière fois, 5 battements, 5 battements. Ensuite, on relâche, on attrape un genou puis l'autre, on étire un petit peu le bas du dos. On relâche, on repose un pied puis l'autre. On bascule tranquillement sur le côté, on vient s'asseoir tout doucement. Et c'est terminé pour le Unwind. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à diffuser autour de vous et à lâcher un pouce bleu. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.